30 milles d'ici, qui serait 50 kilomètres. Mes grands-parents maternels sont arrivés de la Gaspésie. Mes grands-parents paternels sont arrivés, ils se sont mariés au Massachusetts. Parce que dans ce temps-là, les Québécois allaient travailler dans les usines de textile. Je suis né à Pontex. Mes grands-parents sont enterrés à Pontex. Papa est originaire de Pontex. Grand-papa est arrivé en 1907 de la France. Il a rencontré deux de ses frères qui avaient établi un homestead à Wauquop. Grand-papa est arrivé là, il a dit non, c'est pas pour moi. Il a continué. Après ça, il a écrit à ses deux frères. Ils se sont rendus aussi à Pontex. J'ai demandé à mon grand-père, Pépère, qu'est-ce qu'ils ont fait venir dans l'Ouest? Il y avait le cri, come West, young man. Donc, mon grand-père et ma grand-mère sont venus dans l'Ouest pour cette raison-là. Il est venu dans l'Ouest pour commencer pour sonder le terrain. Mes grands-parents maternels, ils sont arrivés. Ils ont travaillé pour un monsieur, ils ont vécu plus au nord, mais à un moment donné, il y a eu la terre plus disponible dans le coin de Jackfish, puis ils sont déménagés là. Il y avait, mon grand-père avait un frère là, puis ma grand-mère avait un frère là aussi. Donc ils se sont réunis dans ce coin-là. Mais ma grand-mère s'est ennuyée à mort. Dans le Nouveau-Port, ni téléphone, ni électricité, rien de ça. Ça, c'est, tu peux dire que c'est de la misère, mais tu peux aussi dire que ça prenait du courage. Mon grand-père partait avec la hache, puis allait hacher des arbres avec la hache, là, en plein été. Il portait ses combinaisons, là, parce que ça absorbait l'humidité. Hein. Mm. Puis il pouvait tolérer ça. C'est comme ça qu'ils ont défriché la terre, avec la hache. Ma grand-mère est morte, puis ça laissait 6 orphelins. La plus vieille avait 9 ans. Ça prenait du courage. Il fallait qu'il continue à vivre. Si je demandais à mon père, avez-vous manqué votre mère? Il me répondait tout le temps. Mais comment je peux avoir manqué quelque chose que je n'ai pas eu? Mais dans le fond, le cœur de mère est toujours là. Puis il l'a manqué. Avant que grand-papa parte pour le Canada, je pense qu'il avait 19 ans. Là. Arrière-grand-mère. Grande-tante. Grand-père. Grand-oncle. J'ai commencé graphic design, je pense, comme moins qu'une année. Yeah. Mais j'adore dessiner depuis comme première année ou quelque chose. Mia Georget est une jeune artiste native de North Battleford. Elle a récemment été atteinte d'une tumeur au cerveau très rare. Cette petite fille de 14 ans, courageuse, a dû subir une chirurgie pour enlever cette tumeur fatale. Cela a fait en sorte que Mia a été partiellement paralysée du côté droit de son corps. Avant d'avoir été diagnostiquée, elle dessinait principalement avec sa main droite. Cette artiste résiliente a donc été obligée d'apprendre à utiliser sa main gauche pour continuer ses créations. Elle vend maintenant ses œuvres à travers son site web lessthanperfect.ca. Et une partie des fonds iront envers les prochains traitements médicaux qu'elle et sa famille doivent payer de leur poche. Tu vois que je me promène avec une canne, j'ai des faiblesses. Ça m'a donné beaucoup de défis ça, dans ma vie. On riait de moi, puis tout ça, mais ça m'a fait plus forte hein, aujourd'hui. Je m'en fous ce que les gens disent. C'est comme un champ de blé, là, que il vente fort. La poille vient plus faire forte. Hein. Mais moi, je me considère comme la poille. Étranger, venu de loin, à la recherche d'une vie meilleure, captivé par le rêve américain, sans un souci, ils sont partis de tout cœur, ne trouvant rien.
sur leur douleur. Mais de leur main, ils ont su graver leur nom dans la terre. Dans la terre. Ils enterraient dans la plaine leur malheur. Continuer malgré les pertes et les pleurs. Ils ont récolté le fruit de leur labeur. Je me souviendrai d'où la gerbe s'est envolée. Et les échos que le vent libère. Le vent libère. Yeah.